l'esprit humain est capable d'accomplir de véritables miracles. Le mentalisme, c'est se connecter à l'autre. C'est écouter ce que l'autre dit, même lorsqu'il ne parle pas. Et nous avons au fond de nous-mêmes d'incroyables capacités qui ne demandent qu'à être réveillées. Et devant vous, vous voyez un grand écran blanc, juste devant vous. Dans les années 30 à New York, certains artistes proposaient d'étranges spectacles. Ils semblaient capables de lire dans les pensées, de prédire le hasard et de repousser les limites du corps. Imaginez toutes ces performances rassemblées sur une même scène. Imaginez un voyage dans le temps au cœur du mystère. Venez découvrir en famille ces fabuleuses histoires et ces merveilleuses expériences avec Victor Vincent dans Mental Circus. C'est, on reste un peu, on reste presque muet. La musique, le suspense, notamment la partie avec le couteau, c'est, on a peur pour lui, c'est magnifique. C'était plein d'émotions et puis voilà, moi j'ai adoré, c'était super. Il m'a transporté. C'est un mentaliste très talentueux. L'interaction avec le public, c'était génial. C'est marrant parce qu'on monte sur scène, on a l'impression que ça n'a pas marché avec nous et c'est impressionnant, on sort des chiffres au hasard et c'est magique. Plus ça va et plus c'est rigolo, en plus d'être impressionnant. Si on pouvait le revoir une seconde fois, on irait le voir. Il faut absolument aller le voir, c'est unique.